Allô le monde, bienvenue à un nouvel épisode de FeedBees Infinity, oh yeah! Petit épisode, on va peut-être être moins, je sais pas, moins d'action aujourd'hui. Des changements, des mises à jour sur cette série qui va continuer, je vous le garantis, je vais commencer par ça, vous n'allez pas vous inquiéter. J'aime trop jouer à FeedBees pour abandonner ça. Le seul changement, c'est que je ne suis plus sur le serveur Minorion. Et non. Il aurait fallu pour que je reste là. Il aurait fallu que je liche le cul d'un modérateur qui s'appelle Planer et ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai Megazip qui m'avait offert dans le passé de venir jouer sur son serveur. C'est ici que je suis. Et j'ai dit, hey, Megazip, ton offre est-tu encore ouverte? Je vais aller jouer sur ton serveur. C'est un serveur privé. Malheureusement, je ne pourrais pas jouer avec vous autres parce que c'est un serveur privé. Mais ça va me sauver bien du trouble. Bien du trouble dans le sens aussi que j'ai... Sur le serveur Minorion, il y avait des affaires qui étaient bannies, des blocs qui étaient bannis. On était limités dans ce qu'on pouvait faire. Question de sauver du lag, ça je peux comprendre totalement pour cet aspect-là. Mais si t'as l'occasion de jouer sur un serveur normal aussi qui a zéro restriction comme ici, c'est pas le plus intéressant. Je vais faire une série un peu plus complète, faire des machines plus intéressantes. Grâce à Megazip, fait que c'est ça, serveur Minorion. J'ai eu du plaisir le temps que j'étais là, malheureusement c'est une planer, whatever. Je sais pas comment ça se prononce. Je sais juste que c'est russe pour petit pénis. c'est ça. Il y a un petit pénis, puis il y a besoin de compenser en étant le petit king de la place, le petit roi du serveur. Et c'est ça. Il m'a fait chier. Fait que j'ai dit, bon ben, manger de la merde. Je m'en vais jouer avec mon ami Megazip. Mais vu que je recommence à zéro, j'ai triché un petit peu en partant, par exemple, juste pour tout déclarer, pour être honnête avec vous. 100%, je me suis mis en mode créatif, j'ai volé pour essayer de trouver un endroit pour me faire une base. Je voulais un endroit spécifique, malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Fait que j'ai décidé, on va arrêter de faire les imbéciles. Fait que j'ai choisi l'endroit ici. Wow, hein? Français beaucoup bon, hein? L'articulation est là, en maudit. Je me suis remis en mode survie et je me suis installé. C'est la seule tricherie que j'ai faite, voler pour trouver un endroit. Mais c'est ça, c'est pas trop loin du spawn, à peu près 700 blocs du spawn. Même pas un kilomètre. Megazip est par... Il est où, Megazip? On verra pas de suite. Fait que c'est ça, je ramasse des ressources. Fait que je vais vous peser sur pause. M'a évolué, m'a continué. J'ai déjà un smeltery construit, mais je vais essayer d'évoluer vite, m'a passé à travers les affaires vite pour essayer de me ramener au peu près au même point que j'étais sur Minorion. Mais c'est ça, je voulais juste vous ramener, vous parler, vous faire une petite mise à jour. Fait que c'est ça. Malheureusement, je ne jouerai plus sur le serveur, le planer, Monsieur Petit Pénis. Il m'a fait chier royalement et il peut bien manger de la merde, lui et toute sa famille. fait que c'est ça. Je vous passe sur pause, je continue à évoluer, puis quand j'ai quelque chose de substantiel pour vous, je vous ramène. Hein? Hein? Toute beauté, non? OK, c'est n'importe quoi, mais c'est ça, c'est ma nouvelle base, ben, le début de ma nouvelle base. Ouais, j'ai décidé d'essayer quelque chose, mais je pense que... C'est un début, c'est juste une petite affaire de départ. Il y a un gros arbre là-bas, j'aurais pu m'installer, mais ça me cause du lag, ces gros arbres-là. Il y en a un autre là aussi. Ça me cause un peu de lag si j'approche ces affaires-là, fait que je me casserai pas la tête avec ça. On va me faire une base ici, un bel endroit, c'est grand, c'est planche, fait que j'aurai pas beaucoup de creusage à faire pour faire des structures. Yeah! Qu'est-ce que t'en penses, le cheval? Oh oui, gars, il est content, il est d'accord avec moi. Mushroom. Beaucoup de mushroom biome. Il y a comme 4 biomes, ça... Je pense Megazip, je sais pas, il y a peut-être juste des configurations, mais la map a comme 4 biomes différents. Mais c'est pas grave, ça, j'ai accès à Miscraft, que j'avais pas accès sur Minorion, parce que pour avoir un monde Miscraft, il fallait payer des mucho dollars, beaucoup de dollars pour ça, et ça me tentait pas de payer de l'argent pour pouvoir avoir un monde Miscraft. Ici, je vais pouvoir l'avoir gratuitement. Megazip, c'est ce qu'on appelle un cheap date. sacré Megazip. Fait que c'est ça. Je vais juste montrer ça. C'est ici qu'on s'installe. C'est ici qu'on va être la base. Puis ça, c'est notre cheval. Il s'appelle... Y a-t-il un nom? On devrait lui donner un nom. Ah, je pense que j'ai pas de name tag. Y a-t-il un name tag? J'ai pas de name tag. C'est-tu compliqué à faire un name tag?
Name tag. Name tag is. Oups. Ça me prendrait un slime ball. Je n'ai pas de slime ball. On va se faire le name tag. On n'a pas besoin de name tag. On va te nommer une autre fois, mon grand. Allô, le mouton. Un autre cheval. Il y a des chevals partout. C'est la demandade. On va se faire une boucherie chevaline éventuellement. Fait que c'est ça. Je vais juste montrer ça. Encore là. Je vous paye sur pause. Puis je vous ramène. Chut. Il y a un arbre à araignée. J'explore un peu parce que j'ai vu un arbre. Oh, il y en a deux. Ooh. Oh, non, 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 non. Va-t'en, va-t'en. Oh, le serveur est pas hard. Je viens de découvrir ça. Ben, je ne suis pas empoisonné. On va détruire ça. Yeah. Et qu'est-ce qu'on a? Portal gun, portal gun. Oh. Dark boots. Mieux que rien. C'est mieux qu'un coup de pied dans l'anus, hein. Safarinette. Ça, c'est quoi? Average lightning catalyst. On va le prendre. Je sais pas c'est quoi. 10 minutes, on va le prendre. Puis ça et tout. Tant qu'à y être, hein. Là, il y a un autre arbre araignée. Ouh, il y a comme un gros trou entre moi et l'autre arbre araignée. Hello? On fait le tour. Voyez, croisez-vous les doigts. Priez pour moi. Allumez un lampion, quelque chose en mon honneur. Pour me donner de la chance. Oh. OK. Me donner de la chance. Pas nécessairement en mon honneur, mais. Oh my god! L'arbre araignée, il est dur à accéder. OK, vite, on creuse. Mais malgré son pas venimeux, c'est pas la fin du monde. Hey! Va-t'en, va-t'en! Personne t'aime! Je devrais pas dire ça. Ma mère me disait tout le temps ça quand j'étais jeune. C'est des blagues. Hey, Portal Gun! We are the champion, my friend! Oh, another word about ça. Toi, là, j'en ai rien à foutre. Toi, j'en ai rien à foutre. Toi aussi, du barley, j'en ai rien à foutre. Pis toi, les champignons, hein? Personne t'aime. Une cerise. J'aime les cerises. Pour les plus vieux, vous avez compris le double sens de ce que je viens de dire. Pour les plus jeunes, allez vous demander à vos parents pourquoi j'aime les cerises. Mais là, il me semble qu'il y en avait un autre arbre araignée parce que je suis venu pour... parce que je n'avais vu un. Mais mon inventaire... Non, mon inventaire n'était pas plein, mais... j'avais aucune ressource, j'avais rien parce que j'étais mort. Fait que j'ai dit, je vais revenir pour l'explorer. Puis, yeah... C'est ça que je faisais. Puis là, j'ai croisé ces arbres-là. Puis je suis pas mal sûr. C'est pas eux autres que j'avais vus. Donc, il y en a un autre en quelque part par ici. Si ma mémoire est bonne. Lui, il est araigné? Non. J'ai fait exprès m'installer dans un biome comme ça. Parce que je sais que. Il y a beaucoup d'arbres araignées. Là, vu que ma base est relativement neuve, je vais peut-être la déménager. C'est encore facile de déménager en ce moment, fait que c'est peut-être quelque chose que je vais faire dans un futur approché, je sais pas. Si je trouve un meilleur endroit, pour le moment, j'ai pas l'intention. Je vais juste dire, si vous voyez un nouvel épisode de... Je pense que c'est lui. Yep, c'est direct lui. Ha-ha! Je pense. Ouais, ça c'est lui. Oh, jeez, hein. On va regarder où ce que je m'en vais. Pour pas tomber dans ce petit trou. Ce petit trou! C'est quoi je disais? Ah ben, c'est important, ça va me revenir. come on. Il me semble que ça commence à laguer, mon affaire. Ouais, je suis sûr que c'est lui. Yep. Yep. Ouh, des squelettes. Oh, cheese, hein? Ça aurait pu être dangereux, ça. Si ça avait été dangereux, ça aurait été dangereux. Mais c'était pas dangereux, donc ça n'a pas été dangereux. Oh, il y a des torches. Il est fait. Yeah! Y'a-tu d'autres choses dedans? My god! My god, ça c'est ma blonde. Elle laisse plein de bonnes affaires et disques. On a ça, disquette. A long time ago, by Dan 2000. Mais. Mais c'était pas cet arbre-là d'abord. Parce que celui que j'avais vu, il avait pas été fait. Je vous jure. Juré, craché. C'est quoi ça? Une maison de sorcière? Ils ont des affaires intéressantes dans les maisons de sorcières. On va aller voir. Venez avec moi. Venez avec moi. Je vous laisserai pas aller de sitôt. Hey, la sorcière. Un poisson ou une pelle? Je te prends un poisson.
What? Hey, wow, ok, je regrette, je m'en excuse. Vite, sauve-toi. Je t'ai donné ton poisson, le lâche-moi. Ah, merde, non, je pense que je me suis fait un ennemi. Je veux pas aller là-dedans, moi. You. Wow, trois cœurs. Je m'excuse, madame, je m'excuse vraiment. Je ne voulais pas ton poisson, il pue. Il est même pas beau, ton esti de poisson. Bon, ça y est, là, dans quoi j'ai pilé, là? C'est pas ma journée. Ok. Bon, là, c'est gelé. Wouhou! Ça a gelé, ça a l'air d'apporter de ça. Bon, ben, je paye sur pause, puis quand je vois quelque chose d'intéressant ou quelque chose dans ce style, je vous ramène. Ok, je suis en train de faire quelque chose jusqu'à m'aller ramener partager avec eux autres. Ah, si j'aurais pas assez de... Je n'aurais pas assez... Non! J'aurais pas dû vous ramener tout de suite dans le fond. Ça semble qu'on avait assez de blocs, voyons donc. C'est parce qu'il y en a tombé là-dedans? Non. Oh, come on. Come on, baby. Mais c'est pas la fin du monde, au pire je vais en lâcher des blocs. C'est pas ça qui manque. J'ai envie de faire une deuxième smell tree pour la simple et bonne raison que si j'envoyerais tous les matériaux dans le même, je ferais beaucoup d'alliage. Donc, je vais séparer les affaires. Je vais envoyer certains matériaux dans elle, certains matériaux dans celle-là ici. Yeah. Puis là, comment se fait? Comment j'ai calculé mes affaires? Ah, c'est pas grave. Je vais acheter les matériaux qui me manquent. Je vous ramène. Bon, prise 47. On continue avec ça. J'ai enfin tous les matériaux. Et voilà. Wouhou! Là, ça va nous prendre un coffre d'accès central. C'est tellement fancy comme mot. Dans le fond, j'aurais dû mettre les ça vers l'intérieur, puis la lave vers l'extérieur. Hein, on va simplifier encore plus. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Là, mon inventaire est trop plein de choconneries. Tiens, je vais emprunter ce coffre-là en attendant, qui est vide. On va mettre les minerais là, que je ne veux pas faire cuire tout de suite, parce qu'il faut que je les mette dans mes filtres pour dire au système quoi filtrer et mettre où. Là, ce qu'on va faire, toi, oui, toi. Bien entendu, il fallait que tu ailles à l'intérieur juste assez loin que je peux pas te rejoindre. Je pourrais peut-être les mettre en avant. Yeah! Checkez bien ça. Ça, je vais mettre lui tout de suite. Ça, on peut mettre ça là. On vient chez lui. Comme ça. Comme ça. Perfect! Là, on va avoir un coffre. J'aurais dû le mettre un peu plus par là. Là, ça va me fatiguer. Ah, c'est pas grave. Comme ça, on va voir ça, c'est les Iron Fluid Dock. Je ne veux pas ça, c'est ça que je veux. Pourquoi il connecte pas? Pourquoi ne connecte-tu point? La Smell Tree, est-tu correct? Il est supposé de faire des particules quand qui est. Regarde bien ça. Est-ce que l'orientation est importante? Ok, on ne peut pas l'orienter comme ça. Ok, pas un problème, pas un problème. En autant que je puisse le mettre là. Comme ça. Lui... Je vais l'emmener un tuyau ici. Je suis en train de penser. C'est des affaires qui arrivent. Ok. Ça peut s'en aller. On va avoir un autre tuyau ici. Puis là, on va dire, non, ne touche pas à lui. Ce n'est pas ton ami. Vous allez échanger les maladies si vous vous touchez là. C'est pas très sanitaire. Bon. On fait ça comme ça. Fait que là, je peux y dire, on va aller chercher un matériau. Lui, le fer... Le plomb, je sais qu'il n'y a pas de danger. Je sais juste, faut que je sépare le silver. Tiens, on va laisser le plomb dans l'autre. On va mettre le silver ici. L'or va aller dans l'autre. Faut pas que le fer soit avec lui.
L'étain, j'ai pas de l'étain. C'est quoi silver? J'étais sûr j'avais ramassé de l'étain. Huh. Huh. J'en ai peut-être dans un coffre. On va aller voir. Au pire, j'ai ranché, il y en a en bas. C'est pas trop loin. Là, on va faire ici. Tu vas whitelister. Ouh, c'est juste 3 items. Au pire, on fera un petit upgrade si on manque de space. C'est pas grave. Hein? Ça. Lui, je vais le mettre dans l'autre. Je vais mettre l'étain ici à la place. Comme ça. Puis dans lui, j'ai dit, on va mettre ça. L'urnanium. Puis ça. Ça fait beaucoup pour mettre dans l'autre. Ça, on n'a plus besoin. Il faudrait que j'upgrade ça tout de suite. C'est-tu très compliqué et très coûteux? J'ai ça à un inver. J'ai eux autres qui sont de l'électrum. J'en ai peut-être déjà de l'électrum parce que tantôt j'ai fait un alliage complètement par accident. Je crois que c'est de l'électrum. Oui, j'en ai amplement. Fait que je crois qu'on va aller pas pour l'électrum parce que ça prend du hardened glass. Puis je ne suis pas là dans ma vie. Je ne suis pas à ce point-là dans ma vie. Fait qu'on va aller pour ceux à inver d'abord. D'abord. J'ai besoin des nuggets d'inver. Voilà. Non, je ne les mettrai pas là parce que c'est ça. Ça. Redstone. Les nuggets allaient en haut. Non? C'est quoi? Oh. Hein? Oh, c'est des nuggets de fer. OK. Donc, donne-moi ça d'abord. Bon, j'ai vraiment beaucoup de lag en ce moment. C'est des choses qui arrivent. Vive le lag! On va essayer de trouver des raisons. Ah, peut-être c'est ça, attendez un peu. Ma maison va être moins belle, mais... Oh, ça aide beaucoup, ouais. OK. Je suis à côté d'une grosse forêt, fait que si je mets des graphiques comme ça, ça devrait être pas mal mieux. Ben, c'est pas mal mieux, comme qu'on peut voir en ce moment. OK, perfect. C'était ce cerveau-là, je vais le mettre là pour le moment. J'en ai besoin tantôt, je vais les amener avec moi. C'est plus les petites nuggets, ces affaires-là, que je vais mettre ici. J'en ai pas besoin. Et voilà, on s'en vient vers ici. Là, je sors mon petit Crescent Hammer. Ça. Ça. On installe lui. C'est combien d'espace? Ah, c'est 6 espaces. OK, ça va être parfait. J'ai pas besoin de me casser la tête et d'aller plus gros que ça. OK, Inver. Inver. Ouais, toi-même. OK, vite, faut aller se coucher avant qu'on se fasse attaquer. Je m'en ai pas pourquoi mon lit est à l'autre bout du monde. Je sais pas moi-même, OK? Je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi je l'ai mis là? Ah, je pense que j'étais pressé puis je me suis pas rendu à la maison. Merci de mettre le feu après moi. C'était apprécié. This chuck is on fire. Fait qu'ici, puis on va mettre le yellowium aussi. Je voudrais mettre l'étain dans celle-là. OK. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Puis ça, c'est fait. Mais pour le moment, comme preuve de concept, les minerais que j'ai là, ça va être amplement. J'ai-tu oublié de mettre whitelist sur l'autre? Je crois que oui. J'ai pas dit que je mettrais le yellowium. On va aller de même pour le moment. Je peux toujours changer plus tard. C'est pas la fin du monde. Whitelist. Alright. Ça. On mange un peu de porc. Faut que j'aille trouver une source de nourriture, éventuellement. Fait que là, lui, il peut alimenter ça. On peut dire toujours on. Même chose pour toi. Toujours on. Mais là, il faut extraire aussi les minerais une fois qu'ils sont cuits. Fait que ce que je vais faire pour ça, on va servir de ça. Ça, ça peut partir. Puis ça. On va remplacer ça par des Arden Fluid Duck. Des canards endurcis. Comme ça. Là, on peut utiliser nos cerveaux qu'on a fait tantôt. C'est amplement pour ça. Là, on peut. Faut des Arden parce que si on met ceux de base. Quand il y a des liquides très chauds, très froids qui passent dedans, il y a une chance d'exploser. Puis ça arrive, ça m'est arrivé. Fait qu'il faut mettre les Arden. Eux autres sont résistants à n'importe quelle température. Donc, c'est ça que j'ai mis.
Là, lui, il est actif avec ça. On va mettre une horloge. Perfecto Mendo. On va faire une autre horloge qui est pas très compliquée. J'ai besoin d'un peu de stone que je n'ai pas assez. J'ai besoin de 2 stone. On va mettre ça ici. Là, je sais, je gaspille. C'est des choses qui arrivent. J'ai le droit. J'ai besoin d'un redstone torches. Redstone torches is made. De même, je crois. Et lui. Perfect. Ah, j'aurais besoin de. Ça a-tu marché? Non, je voulais juste en avoir un. Je n'ai sorti un peu gros paquet, mais c'est pas grave. Je le mettrai là plus tard. Ploup. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus que j'ai changé de serveur. J'avais un peu pas le choix. J'avais le choix, mais comme je dis, je voulais pas me plier au... au bon désir d'une jeune personne qui... Pourquoi c'est pas là que je mette ça? Qui a un petit pénis. j'ai une aversion au petit pénis. Ben, j'ai une aversion au pénis en général. Le seul que j'aime, c'est le mien. c'est ça. Fait que là, de même, ça marche, ça arrête. Si je fais ça comme ça, perfecto mundo, on peut laisser on. Fait que là, ça, c'est pratiquement prêt, c'est vrai. Il me manque juste ça. Malgré que je pourrais faire un petit... OK, regardez bien ça. Attachez votre truc avec de la broche. Allez-y, allez-y, j'attends. Allez-y, allez chercher de la broche. Là, je suis sûr qu'il y en a dans le tiroir de cuisine. Est-ce que je peux connecter un ça sur le côté? Oui. On va tout utiliser le même coffre pour la même affaire. Ça va être génial. Regardez bien ça. Non, 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 non. Toi, tu connectes pas. Je l'ai expliqué tantôt. Les maladies, hein? Maladies vénériennes. Les MTS, les maladies transmissibles par cerveau moteur. Je vais me fermer ma gueule, je vais finir mon projet. Bingo, bango. Là, je pense pas qu'il va pouvoir envoyer les objets là-bas. Fait que ça, on peut dire soit à on tout le temps. Soit à on tout le temps. Fait que quand il va y avoir des lingots là, ils vont être aspirés, ils vont s'en aller là. Puis vu que ça, c'est whitelisté, les minerais seulement, ben ils pourront pas se faire aspirer et partir ailleurs. Yeah! On l'essaye-tu? Ok, on l'essaye. On amène tous nos minerais. On lance ça là-dedans. Il devrait aller dans les bonnes cases respectives. Ici, parfait. Ça, ça ne peut pas se mélanger. Et voilà. Perfecto mundo. Ah, oh, c'est-tu pas génial? C'est-tu pas beau? Bon, ben, on laisse fondre 2 secondes. OK, ça a fondu. Molten Silver, le fier, il s'en vient. OK, il s'est remplacé par d'autres fers. Automatiquement, le silver se fait aspirer et s'en va dans le coffre ici. Oh yeah, bingo, bango, comme dirait un gars que je connais très bien. Doudou, puis là, je parle de moi-même. C'est vrai, je me connais. Molten Silver, Yellorium, pas de problème. Ça marche, ça marche. Il reste juste lui à fondre. Ça, c'est long à fondre. Pourquoi ça ne fond pas? Ça ne fond pas parce qu'il y a zéro lave dedans. Il faudrait que je mette un système aussi d'alimentation de lave automatique. Tiens, ça va fondre pas mal plus, là. Savez-vous, je pourrais juste mettre le système de lave automatique tout de suite. Ça, y a-t-il de la place? Oui, il y a de la place. Regarde bien ça. Il me reste des Arden Fluidoc. Yeah, il m'en reste. Puis. On va le laisser dépasser un petit peu. On vient chercher. On va prendre cette tank-là ici. Là, si on regarde dans le haut de l'écran, ça dit il y a 3850 et ça descend. Lui, il y a 3635 et ça descend. Fait que théoriquement. «
Oh, jeez. Ah, les tuyaux sont remplis. OK, c'est normal. 4000. 4000. Génial. Je pense que j'ai même pas besoin de mettre un cerveau là. Ben, j'ai toute évidence aucun besoin de mettre un cerveau là. Ça, j'amène ça avec moi. Je vais y traîner avec moi. Comme ça, si je joue de la lave, je vais pouvoir les remplir. Yeah! Fait qu'on a un système pour remplir ça, la lave. On a réussi à mettre une tank de lave là-dessus. Bingo, bingo. Ce que je pourrais faire, même. Attendez un peu. Partez pas si vite. Ça me prendrait de la vite. J'ai-tu beaucoup de vite? J'ai pas beaucoup de vite. Hein. J'en ai quasiment assez pour faire ce que je veux. J'ai pas quasiment assez. Il faudrait que je fasse cuire ça. Hein. Je vais aller me chier du sable. Je vais faire de la vite. Ce sera pas long. OK. Là, on fait ça comme ça. On m'a donné 5. C'est parfait pour commencer. J'aime ces petites teintes-là. Elles sont pas portatives, mais elles sont un peu coûteuses. Puis on va venir mettre ça ici comme ça. Lui, je suis pas mal sûr que ça va prendre un cerveau. Parce qu'on voit là que le chose recule et retourne dedans. Et voilà, là ça aspire, ça retourne dans les tuyaux. Perfecto mundo. Comme ça. Là... Je vais rajouter une autre petite affaire. J'ai-tu des tuyaux? Il me reste plus de tuyaux. J'ai-tu remis les tuyaux dans le... Ah oui, toi. Arden Fluid Dock. Là, ce qu'on va faire... C'est pas très compliqué. Je veux juste... Une petite affaire comme ça. Là, on peut arriver et mettre les tanks à terre. Puis dire, écoute, le grand, tu sais, la lave, t'en veux-tu? En veux-tu, la lave? Et voilà, le camp va être vide. On attend, ça se remplit, ça va mettre la lave là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir me promener dans le monde, ramener mes petits tanks avec moi, amener ça avec moi. Puis quand je trouve la lave, je les remplir. Puis pour ça, amener ça ici et vider ça là. Yeah! Génial, j'adore. Je vais mettre ça là. Ça marche très bien. Voilà les différents minerais. Aucun alliage. Tout a été fait automatiquement. On peut mettre ça comme ça. J'ai été chez d'autres minerais parce que je veux m'amuser avec ça. Ça se fait aspirer. Ça devrait se faire aspirer ça aussi, éventuellement, un jour. Il n'y a peut-être plus de place. Non, il y a de la place en masse. Lui, il n'y a plus de place. OK, c'est là que ça s'en va. C'est un détail, mais là, ça se fait automatique. C'est ça que je voulais. Yeah! Je vais reprendre mon eau. Mon ventre écrit. Il faut que j'aille manger quelque chose. Non! Non! J'en veux pas de témoins de Jéhovah chez nous. Je sais pas par chez vous, mais par chez nous, les témoins de Jéhovah, ils brûlent au soleil comme ça. C'est spécial. C'est divertissant. OK. Trêve de plaisanterie. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous me pardonnez d'avoir abandonné le serveur Minorion. J'aimais ça parce que je pouvais jouer avec vous autres, avec du monde qui suivent mes séries, puis c'est cool de pouvoir interagir avec le monde, mais malheureusement, comme j'ai dit, à cause de certaines personnes que Dame Nature n'a pas été très gentille avec eux autres, puis qui sont venus au monde avec des petits pénis, ben, c'est ça, ça fait du monde frustré de la vie, puis ils s'en prennent aux autres. Aussitôt que tu leur donnes un coup de pouvoir, ils deviennent. C'est ça, ils deviennent fous avec leur soif de pouvoir, ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça sonne bien ce que je dis là. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça le fait pas, puis lui, ça y faisait pas, il se prend pour quelqu'un d'autre, puis ça me tente pas de jouer sur un serveur qui a quelqu'un comme ça, qui a un pouvoir sur moi, qu'il faudrait que j'y dise. T'es gentil, Planer. T'es le meilleur, Planer. Si t'avais Planer, ne sois pas méchant avec moi, Planer. C'est pas de ma faute, Planer, c'est un petit pénis. Fait que c'est ça. fait que c'est ça, je suis désolé. Mais si vous aimez ma série, ben le Saint-Gem, comme je dis toujours, hein, en bas, il y a une petite main avec un pouce qui pointe vers le haut. C'est là qu'il faut vous cliquer. Si vous aimez, bien entendu. Si vous aimez pas, ben. Abstenez-vous. Vous avez commentaires, suggestions, critiques, n'importe quoi en bas dans les commentaires. Puis je vous parle dans le prochain épisode Le Monde. Bye!